Danton propose la création d'une institution qui agirait à la place du peuple. Et il a cette phrase restée fameuse, « Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être ». Alors, cette salle avait été entièrement transformée pour devenir le tribunal révolutionnaire. On avait enlevé ce qui fait aujourd'hui, on va dire, une partie de son charme, les plafonds dorés qui existaient avant la Révolution. Et puis on avait réinstallé ici, enlevé les décors qui figuraient, installé des décors révolutionnaires, mis surtout la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour bien faire comprendre de quoi on parlait. Et puis on avait 5 magistrats professionnels ici, avec des plumes, installés, une sorte de tunique noire. Devant eux, l'accusateur public, Fouquier-Tinville, et qui se tenait ici aux aguets, prêt à animer en quelque sorte les débats. Il se tournait régulièrement vers les accusés qui étaient ici, dans une grande estrade installée. On voit ici, donc on pourrait imaginer, Marie-Antoinette, Charlotte Corday, tout ce monde était installé ici, qui a eu un accusé ou 20. Ils étaient figés, en quelque sorte, assignés à cette estrade et venaient simplement répondre aux questions de l'accusateur public ici. Et puis de l'autre côté, une autre estrade qui montait également, sur laquelle était installé le jury populaire. 12 citoyens qui avaient été choisis pour incarner la justice publique. La foule, elle est là. La foule, elle est ici. Elle est séparée par une barrière en bois du reste du tribunal. Et elle est sur ce qu'on appelle traditionnellement le carreau, parce que ce sont des carreaux. Ils sont ici par opposition au parquet en bois, qui est ici, on dit se tenir à carreau, rester à carreau, ça veut dire être ici. Mais la foule, à la différence de tout procès habituel, où on demande le calme, la mesuration, de ne pas hocher de la tête, de ne pas acclamer, de ne pas applaudir, etc., la foule ici avait le droit de s'exclamer et de crier « à mort les traîtres !» C'est une justice d'exception. Il n'y a pas de mystère. C'est une justice d'exception parce que vous étiez ici, amené et jugé en moins de 24 heures. La charrette arrivait à la conciergerie, vous étiez débarqué ici, on vous amenait pour vous juger. Vous n'aviez pas de possibilité de faire appel une fois que vous étiez condamné. Vous ne pouviez pas faire de pourvoi et vous étiez exécuté dans les 24 heures.